Amis téléspectateurs, téléspectatrices, Télévision Nationale d'Haïti, bienvenue à la nouvelle édition, ça, émission pour là. Haïti 360. Nous allons parler à la technologie, nous allons regarder qui j'ai technologie à mes aider dans le développement pays, mais surtout, nous allons regarder qui j'ai technologie à aider nous gagner, ça nous arrive vraiment. Yon bon l'école et yon l'école qui est efficace dans le pays à côté. Si mon yo a recevoir connaissance utile et y a utilisé technologie à tout pour y arriver à construire yon pi bien pour qu'à venir ça nous arrive de pi bon citoyen. Pour nous faire ça, j'en toujours chaque soir, nous avons deux spécialistes avec nous en un domaine, des hommes 3.0, vraiment qui maîtrisent le domaine technologique là, qui prennent pour faire le point ensemble avec nous, qui prennent débattre, essayer pour te grain de sel par en un débat, pour montrer qui j'en. Technologie a important vrai dans la vie en pays parce que niveau de maîtrise technologique là tout en pays c'est un élément essentiel qui montre niveau développement pays. Pour découvrir invité ensemble avec moi, nous allons proposer là n'a tout de suite pour entrer dans fond débat. À Soya, en émission pour la Haïti 360, n'a recevoir pour vous Jean-Marie Altema, ancien directeur Conatel. Jean-Marie Altema, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, Lionel. N'a recevoir pour vous Gomaclis, qui est un professeur d'université, un monde qui est à fait technologie, monsieur Gom maîtrise en informatique, mais qui va faire le point autour de l'importance technologique dans la vie au pays, mais surtout l'importance technologique dans la formation géniaux, dans l'école d'une manière plus précise, et bien qui j'ai technologie à aider pour nous gagner un plus bon l'école. Jean-Marie Aldema, première question, on a tout parti à vous rentrer d'emblée dans mon débat. Je vous dis, est-ce qu'à travers le monde, par rapport avec son vie, par rapport à son connaît comme professionnel, développement d'un pays est capable de concevoir justement sans que développement technologique n'a pas marché de pair avec tout projet de société que nous sommes capables de faire? Merci Lionel pour l'invitation. Donc, c'est un plaisir pour moi avec vous à ce soir, à l'émission. Je salue toutes les téléspectatrices et tous les téléspectateurs qui suivent nous. Et pour répondre directement, moi, je crois que pas qu'à gagner développement sans technologie. Pour une raison simple, parce que je veux dire, technologie utilisée pour développement tout notre secteur. Donc, un secteur qui n'a pas approprié la technologie, ou pas qu'à ouais, développement. Donc là, on a parlé de utilisation des technologies pour le développement des autres secteurs. Une fois que la technologie a été utilisée dans le secteur de l'éducation, par exemple, dans le secteur de l'agriculture, on a gagné retombée qui est direct sous population parce que la population approprie les deux outils technologiques. Donc, stratégie et efficacité dans la gestion, c'est les outils technologiques qui pour baoule. Donc, et en plus tout, à partir de services qui a développé à travers la technologie qui permettent que on connecte avec, et on dit, dans le secteur éducation, professeur connecté avec élève, élève connecté avec l'école, l'école connecté avec parents, donc on prend tout écosystème là. Donc si vous impliquez, on a dit, technologie connectée, vous avez gagné une meilleure éducation. Là, nous croyons que, et je vais m'expliquer là, on n'est pas capable de parler de développement, je vous dis, sans pas parler de technologie. Très bien. Technologie, information, communication, y a au cœur même de ça, dans les mouvements planète là, gens que nous avons vu sous la tête, technologie, information, communication, y a gagné ça, dans les une place prépondérante dans la vie de chaque monde. D'ailleurs, nous vivons dans un monde où nous sommes tous connectés, jour et jour. Romaclis, développement de technologie, son bagage qui est possible, jour et jour en 2018. Et ma première, c'est Lionel pour l'invitation. Ma salue toutes les télévisions. Spectateurs, téléspectatrices qui branchent l'émission. Salut Altima, salut tout le monde qui sous et panel là tout. Et c'est une question assez intéressante que vous posez. Et technologie actuellement transversale. Et l'homme dit transversal, c'est-à-dire que tout notre concept, toute notre science et pas l'autre choix que basé sur technologie. On prend l'autre exemple tel que informatique appliquée à la médecine. Ok, donc un docteur Kouniam, bah quoi, ses yeux limités pour le fond radiographie. Donc on parle de e-learning, apprentissage en ligne. Écoutez, donc autrefois nous pas de concept ça, mais technologie a vu nous offrir tellement de facilité. Donc et ceci dit, grand pile pays qui utilisait la bonne science et pas qu'à dire à 100%, mais à un pourcentage qui est très élevé, différemment de nous-mêmes en Haïti qui pas dépassé 2 à 3%.
mis à part de un téléphone ou mon gagne web chat, etc. Mais technologie, c'est plus que ça. Est-ce que m'obliger de descendre dans finance mal font photo pour licence? Est-ce que m'obliger? Ou bien est-ce que m'obliger pour me faire transaction dans DGI et Delma 29 et puis il pas passer dans DGI pour tout prince là? Donc, je pense que technologie, c'est plus qu'important et que pas un développement. Pas un développement sans technologie. Que vous voulez le coupable, il faut emboîter le pas. Technologie, c'est la route à prendre. Très bien. Jean-Marie Altema, nous avons un retard considérable par rapport avec ce qu'a fait et d'une manière générale dans le monde là et qui ça qu'a fait jour et jour en Haïti pour permettre que même là on pas arriver dans niveau monde qui puis avancer mais au moins nous ta mettre nous en diapason avec réalité monde là janvier jour et jour dit bon nous cap parler de retard à un certain niveau dans le sens que et nous en fait les clairs ont absence de politique publique, ça veut dire engagement des acteurs pour que ils fassent de technologie un levier de développement. Et là sans ça nous cap dit nous vraiment en retard, nous cap dit nous en retard parce que nous avons un cadre légal qui répond à la réalité aujourd'hui, nous vraiment en retard et nous en retard tout parce que pas des infrastructures qui développées pour permettre que services soient disponibles. Et mais dans un autre sous un autre angle, nous cap dit tout utilisateurs en avance sous l'État qui est là pour travailler avec les acteurs pour créer CADSA, pour créer environnement. Donc, avance sur la guerre, c'est avance sur ce qu'a fait dans le pays. C'est évidemment. Maintenant, j'aime toujours expliquer, c'est que il y a des gens qui pensent que la technologie, et c'est par exemple un téléphone qu'il a pu utiliser, ou un ordinateur qu'il a pu utiliser, ou bien c'est accès à Internet. Mais c'est beaucoup plus que ça, parce que lorsqu'on parle de technologie à niveau d'un pays, il faut qu'on prenne dans plusieurs dimensions. Et moi, je crois que c'est trois dimensions fondamentales pour aborder. D'abord, la dimension. Et l'une dimension, côté que gain d'investissement qui fait pour que gain d'infrastructure qui est disponible pour que services soient capables de passer sur l'infrastructure. Gain l'aspect cadre légal, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des lois, il faut qu'il y ait des règlements à travers les structures de régulation pour permettre le développement et technologie. Et en plus tout, et dit, en plus de questions techniques et légales, ou ouais, technologie tout, l'angle pour faire développement économique. Ça veut dire que qui j'aime capable utiliser technologie pour mettre l'argent dans la poche monde, pour faire monde accès à connaissance, et là, je regarde l'aspect socio-économique. Donc, malheureusement, l'absence de politique publique que nous expliquons là, vient faire que nous avons des initiatives isolées. Donc, ce jour-là, les Haïtiens ont le dernier Mac téléphone, et puis les Haïtiens ont le dernier Samsung, le dernier iPhone, le niveau outils. Maintenant, le niveau stratégie numérique, le niveau transformation digitale, le niveau appropriation du numérique, on n'est pas là. Donc, c'est important pour que les acteurs mettent ensemble pour définir une vision et engager ensemble, que ce soit l'État, le secteur privé et la société civile, pour arriver à un véritable développement du numérique en Haïti. Alors, bon élément fondamental que vous avez là, on va parler de population, éléments de population, individuels, et pour nous qui précis, qui gagne gadget, you know, c'est-à-dire les dernières inventions de la technologie, nous gagne, qui permettent que vous interconnectez. Et ce, malgré que, au niveau de l'éducation, j'en m'en remets à dire dans le pays, ce n'est pas forcément mon niveau qui maîtrise les gadgets. Et qui explication nous pour ça? Et comment, je dis, justement, dans l'idée pour l'appropriation, développement technologique, nous avons arrivé à intégrer les gens qui sont loin et permettre que, justement, ils connaissent ce qui s'est passé dans le monde là et que eux-mêmes, ils vont arrêter en manche de la société qui a fonctionné. Et l'important pour que j'en m'explique à trois acteurs importants ça engagés pour réduire la fracture numérique. Fracture numérique, là, c'est le monde qui a accès, et corps qui a monde qui a accès et monde qui n'a pas accès. Je dis, par exemple, et sous prend plus de 90% du matériel informatique qui vend dans le pays, c'est à Port-au-Prince. Sous prend l'école qui enseigne, les meilleures écoles qui enseignent informatique, d'ailleurs, l'université, ou pas l'université dans les provinces qui enseigne informatique au niveau universitaire, au niveau licence. Minimum. Donc ça veut dire que il y a une absence de politique publique. Maintenant, pour faire de technologie un levier de développement, il faut qu'il y ait des engagements clairs qui prennent dans le sens que, un, moi dit, qui ça écosystème numérique là et qui action que l'État, de concert avec les autres secteurs,
à entreprendre pour que vous dit jeudi en nous là dans 5 ans mes côté nous parler et garder indicateur yo. Il est clair sans cela ou pas qu'a gain résultat. Donc on va gagner évidemment de monde j'ont expliqué là de monde qui a accès à de gadgets, mais même là encore on prend par exemple un monde qui gagne qui gagne dernier iPhone là. Donc là c'est outils qui capable mettre que il gagne accès à de services. Qui sont les gens qui ont aujourd'hui en Haïti qui ont un iPhone qui coûte, je ne sais pas, 850-900 dollars américains? Qui sont les gens qui ont fait appel? Ils ont fait appel, ils ont fait WhatsApp, ils ont fait Instagram, je ne sais pas, ils ont fait Facebook, ils ont fait YouTube. Mais, j'en vous ai expliqué, même téléphone, ça, c'est-à-dire qu'il y a une absence de service numérique, même téléphone, ça, les gens qui achètent aux États-Unis pour 700 ou 800 dollars, ils n'ont pas besoin de déplacer pour le payer. Et n'importe qui service pour payer, pour faire n'importe quoi. Ça veut dire que téléphone ça a que m'gain là aujourd'hui, outils ça que m'gain, l'écouter cher certes, mais service que il t'a cap moi accident avec lui, pas joindre ni. Donc et qui est-ce qui pour porter lui? Faut ou gain yon harmonisation au niveau de ces acteurs-là par rapport à une vision commune qui dit que, écoutez, on va investir dans les infrastructures, on va doter le pays d'un cadre légal qui permette que ce n'est pas infrastructure seulement, il faut un cadre légal et il faut qu'il y ait des investissements aussi dans le secteur. Et en plus de ça, il y a des politiques, que ce soit au niveau de la formation, au niveau de la recherche, de l'innovation, pour qu'à permettre que, eh bien, il y ait de nouveaux services qu'à développer. Parce que pas rien qu'empêcher aujourd'hui, et même si je ne parle pas de Uber haïtien, mais pas rien qu'empêcher que nous gagnions aujourd'hui là, par rapport à la quantité de monde qui gagne accès à des outils qui connectés, pour que nous ayons un service, un logiciel, une application mobile, un site internet qui permette que nous gagnions accès à un minimum de services. Donc il faut que tout acteur mette ensemble. Parce que action isolée, il n'y a pas de résultat, pas durable. Regardez pour moi qui ça roule, même les pensées de questions de développement technologique là. Nous avons dit tout à l'heure, pas de développement sans que la technologie elle-même n'est pas développée tout, comme ça n'a rien de locomotive en Afrique. Oui, on dit transversal. Jean Alrimat, il était mentionné tout à l'heure. Je dis, ça empêche justement que nous voyons ça. Nous marchons sur le chemin ça pour nous développer la technologie et permettre que l'autre discipline tout en un pays suive même train ça, train développement qui va permettre que le pays offre bien-être avec les gens qui vivent là-dedans. Et encore une fois, c'est une intelligente question. Et je m'apprends une partie à Altimayo, c'est que dirigeants, est-ce que vous êtes conscient de travail que la technologie a permis de faire? Ou bien est-ce que vous avez bien vu de capacité, comme si de tout ça vous avez fait en moins de temps? Parce que la technologie, c'est sûr que vous avez besoin de fonds dépenses. Mais en termes de retombées positives, donc une fois que vous appliquez la technologie, c'est sûr que la augmenté rentrée carrément, la augmenté, ça me dérange à cette fiscale. Et est-ce que les gens qui concernent vous connaissent pourtant ça? C'est-à-dire que pour vous investir dans la technologie, là, je dis investir dans la technologie au point de vue infrastructure d'une part et au point de vue de formation de cadre. Parce que, quittez-moi, et je ne comprends pas comprendre la tendance là. Technologie a envie de aller nous, que l'envie plus contrôler nous que nous contrôler. Alors nous parlons de nous ça dans deuxième partie. Plus contrôler nous surtout dans l'aspect éducation que nous avons pour nous. Donc qui vient fait que il y a plus l'autre axe prioritaire que nèg k'ap diriger yo, fait moun k'ap diriger yo, yo plus fixé yo sur yo pendant y a négligé technologie. Par contre, technologie sont armes qui te ka faire sortir bien rapide et faciliter la vie de tout le monde. Technologie facilite la vie de tout le monde d'une manière ou d'une autre. Très bien. Alors, j'aimerais le thème, vous mettez un accent particulier sur la question de politique publique. Mais, il y a des gens qui ont dit là, il est facile pour nous l'État seulement comme élément qui est inactif dans sa mettre en place une politique de développement technologique. Mais en quoi participation secteur privé, participation société civile, là, tout comme acteur engagé et comme représentant de la société, vous même vous aider justement dans le promouvoir un développement technologique dans le pays. Et on ne peut pas parler de politique publique sans ou pas acteur. Et ce n'est pas l'État seulement, parce que l'État n'a pas qu'à mener en politique publique. L'État doit travailler avec les acteurs pour développer une politique publique. Et l'on parle de politique publique, donc on suppose qu'on est là, on prévient une appropriation de cette politique et il faut des engagements. Donc l'État,
nous tous connaissons l'État là pour créer l'environnement. Et on dit que l'État travaille avec l'université parce que, et, je dis là, j'aime tout expliquer là, et ou capable de gagner infrastructure, ou capable de ensemble ou capable de cadre légal, mais il faut aussi que gagne de nouveaux services. Maintenant, et qui rôle chaque acteur ça que je t'expliquer là gagne dans l'écosystème. L'État là pour créer environnement. Ça veut dire que l'État qui peut venir avec eux de concert en consultation avec le secteur privé. Le secteur privé c'est lui pour faire investissement. Mais moi je crois que l'État doit créer un cadre qui peut permettre de plus gros investissements faits dans le secteur là. Et l'État capable d'investir, oui, pour permettre que gain de services qui offrent à la population, mais je crois que deux grands cadres qui permettent investissement fait dans ce secteur ça. Maintenant la société civile et par rapport à au niveau de gouvernance, voyez, et on pas capable de dire que c'est l'État avec le secteur privé seulement qui doit impliquer là dedans parce que au gain société civile là, et qui est-ce qui a défend l'intérêt et on a dit tous les deux, en fait, groupes qui n'ont pas représenté et dans l'État et dans le secteur privé. Et c'est eux-mêmes qui sont nombreux, c'est eux-mêmes qui ont utilisé, si vous voulez, les outils technologiques ou bien technologies de manière générale. Maintenant, automatiquement, il y a une politique publique, l'engagement des secteurs que nous avons cité là-haut, il y a une appropriation par la population et ou capable de viser et création de richesse, ou capable de viser et compétitivité dans le niveau affaires, ou capable de viser service en ligne, ou capable de viser un ensemble de bagages que la population a privé joigne. Maintenant, et si l'État dit, par exemple, moi-même, m'a créé un cadre côté que, mais ça m'a bâillé, mais ça m'a offert à secteur privé, à s'il vient investir dans le secteur qui a un rapport avec la technologie. Mais ce qui est très important, ce n'est pas investir dans la technologie pour dire m'a utilisé les outils, m'a utilisé les services, mais c'est utiliser la technologie pour transformer n'importe quel secteur que me la donne. Ça veut dire que j'ai m'a dit aujourd'hui, écoutez, moi j'ai une infrastructure, moi j'ai un cadre légal, qui j'ai un cadre des secteurs d'éducation. Le ça, m'a venu avec une politique pour me développer de contenu numérique qui va permettre que étudiants et élèves aient accès à des contenus. M'a développé de politique qui va permettre que moi dit si un monde est boucan carré, tout coucou, je ne sais pas, badil parce que je voulais marginaliser, mais pour m'expliquer, quel que soit côté le capable. Ce n'est pas le niveau pour le prince parce que là, on a parlé de politique publique. Alors, il doit avoir accès à la même service. Il y a un élément fondamental qui fait que nous avons mis l'accent sur la participation de la société civile et la société, ça n'a rien, les secteurs privés à tout. C'est que généralement, les compétences justement qui vont permettre que y ait des propositions éclairées qu'a fait à l'État, c'est un autre secteur, ça, vous voyez. Oui, bien qui s'est empêché, je vous dis, à, nous-mêmes là, sans pas cibler nous, monsieur, l'autre monde tout qui bien dans la technologie, à même Jacques, nous, fait des propositions, par exemple, au niveau du Parlement et au niveau des instances concernées de l'exécutif, faire des propositions, des plans de développement et bien de technologie, ça empêche. Bon, Lionel, est-ce que nous ne pas faire? Nous faisons. Et grand pilote et technicien, ingénieur en informatique. Et ou pas sans savoir que qui tolé l'acceptation de signature numérique là, t'es en bas pour te voter jusqu'à présent, elle va voter. Ok, donc monsieur Sao Kamba, parlementaire autour, est-ce que vous êtes conscient de l'importance là? De l'importance d'utilisation de technologie actuelle. Ou bien est-ce que vous êtes conscient que la technologie qui permet même tout participer à développement pays, c'est-à-dire en votant des lois, c'est-à-dire en cadre légal à certains services, côté que vous connaissez bien droit à ça, telle compagnie vinyle doit ça, avec ça, vous avez développé tel concept dans tel secteur spécifique. Ok, maintenant il suffit que pas ça. Maintenant qu'on a secteur qui a investi, maintenant c'est comme si il est créatif. Il n'est pas investi côté pas un cadre légal. Maintenant qui s'est protégé l'investissement dans lui-même. Donc voilà pourquoi les gens ont un rétracteur, les gens pas voulu mettre comme dans le domaine là, malgré que on connaît retombée positive pour eux, parce que pas grand protégé. Dans le cadre de l'émission pour la Haïti 360, n'a pas de technologie à ce moment-là, l'émission pour la avec Jean-Marie Altema et puis Romatis qui a porté Grenzel Payon dans le débat qui a permis que vous bien comprendre mais ça a fait dans le pays, surtout en matière technologique et même tout, quel type de comportement vous avez gagné pour permettre que non seulement la technologie a développé, mais sans que la technologie ça pas représente une menace pour le fonctionnement sociétal d'une manière générale.
N'a pas tourné après pause là pour nous venir parler technologie éducation pour nous garder pour nous qui gens technologie par rapport avec ça monsieur qu'on est en dans domaine là et ben l'ami qui a servi éducation et permettre que gon meilleur apprentissage qui fait et gon meilleur comportement que nous-mêmes comme citoyens nous développer par rapport avec usage que n'a fait généralement un ben de outils technologiques. N'a tourné tout de suite pour nous continuer brasser l'idée et faire promotion connaissance utile connaissance éclairée en dans émission pour là Haïti 360. Haïti 360 technologie gen quatre blanches à soya en dans émission hein? Nous allons regarder avec Jean-Marie Altema et puis Romaclis et mais qui gens technologie a capable permettre et que ti moun yo qui fait entrer l'école là capable faire un meilleur apprentissage même là c'est pas à ni ça mais au moins aller cap vini yo dans intégrer technologie en dans établissement scolaire yo qui jeune cap permettre que ti moun yo apprendre mieux. C'est vrai monsieur, technologie en dans l'école son bagage tout partout dans tout pays il a essayé faire li mais tout il pas essayé il fait le déjà. Il y a des études qui montraient que technologie a par rapport avec manière traditionnelle que moun te kon apprendre et ben il pas vraiment plus performant. Il y a des études qui montrent ça. Par exemple de méthode de transmission au présentiel. Justement, méthode de transmission de savoir. Des moun qui dit que moun kaye a moun ki avec sa ndare les papiers a devant il apprend plus rapide que yon moun qui a pas apprendre son écran. Donc nous même par rapport avec le type de réflexion ça qui j'en nouvelle et qui j'en intégration dans le fait surtout en Haïti yon pays côté l'école a fait 100% sur papier journée aujourd'hui. M'a dit clairement. Moi crois que c'est éducation qui pour faite technologie aider à éducation, c'est pas l'inverse. Ça veut dire que c'est pas mener technologie en éducation mais c'est dit moi gain éducation qui j'en m'a utiliser les outils technologiques pour me capable de meilleure éducation pour améliorer. Qui ça me le dit par là et peut-être ça c'est opinion personnellement donc sur table et il faut une infrastructure physique. Ça veut dire que l'on a parlé de numérique, faut que l'école yo le bon standard. Et c'est ça que nous avons parlé tout à l'heure de politique publique. Ça veut dire que aujourd'hui, nous disons, OK, nous avons construit l'école. Quel est le standard? Qui ça nous a demandé pour que chaque école que nous avons construit, qu'a construit dans le pays, qui ça doit gagner? Il doit gagner un laboratoire informatique. Il faut le faire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, par rapport à la politique et que l'éducation nationale, de concert avec les acteurs, capable de dire, bon, il va développer de contenu numérique. Parce que on pas capable d'infrastructure, on pas capable des outils, si on pas capable de contenu. Et de contenu numérique. Et la troisième chose, et c'est là, mon genou, c'est que il faut une pédagogie. C'est pas ou venir avec technologie ou dire après ça, on va regarder pédagogie. Mais il faut une pédagogie. Moi-même, je crois que c'est pas dit que je mette un ordinateur dans l'école, je fais ci, je fais ça. Oui, il faut le faire, mais en même temps, tout, il faut regarder l'ordinateur arrivé dans l'école là, qui ça élève pour l'apprendre sur lui. Est-ce que soumettre Internet dans l'école là, c'est accès à YouTube, accès à Facebook, etc. Parce que dans la plupart des cas, jeunes pensent, ils confondent Facebook avec Internet. Or, service, ensemble de services qui existent sur Internet, pas apprendre, ils n'ont pas fait connaissance avec eux. Donc, moi, je dis, c'est d'abord l'éducation, ensuite l'outil. Ce n'est pas l'outil, après ça, on dit qu'il y a éducation. Donc, c'est d'abord, il faut définir une politique éducative. Eh bien, on dit qu'il y a intégré technologie dans le secteur ça, pour permettre que, un, et élèves moi, améliorer, professeurs améliorer tout. Parce que, on n'a pas parlé de, on pas parlé de développement et sur les technologies, l'éducation, sans ou pas parler de formation des maîtres. Mon monde garde où et l'organe environnement global là et pratiquement on l'école vous l'avez dit à la 3.0 c'est une école comme ça on l'école qui intègre on a dit l'informatique ou bien les nouvelles technologies de communication d'information je vous dis est-ce que c'est mon école qui en porte à faux avec la société là? Évidemment et il faut dire tout que technologie les créer même facture ça les favoriser facture ça ça permet de dire comme ça veut dire que écart entre monde qui a accès à outils et monde qui pas accès à outils parce que il y a des écoles aujourd'hui élèves yo qui a accès et à ordinateur élèves yo qui ont de cours informatiques et gain de l'école qui pas possibilité ça donc ça veut dire que
technologie elle tout les mêmes tout les favoriser l'école. C'est pour ça que je parle de politique publique, l'engagement des acteurs pour que l'école ça l'école ça réduit. Mais j'ai m'expliqué là, c'est que l'Europe dit standard, vous connaissez que ou viser un résultat dans 5 ans. Ou dit la politique que m'a mené dans la question éducation dans le pays, la technologie a joué un rôle et nous voulons rassurer que si moun yo gen accès à outils ça dès le plus jeune âge. C'est ça la politique. Maintenant, il y a d'autres politiques qu'on capable de développer pour permettre que parents et etc. aient accès, mais il faut dire que qui ça m'a gagné. On parlait tout à l'heure d'infrastructure physique parce que est-ce que je veux dire nous capable de construction d'école ou de réparation d'école? Parce qu'il y a de l'école qui n'est pas capable de recevoir d'infrastructures technologiques. Parce que là, on a parlé de, même si c'est avec tablette, mais il faut avoir une connexion Internet. Si pas une connexion Internet, même offline, il faut élèves qui ont accès à des contenus, il faut un minimum d'infrastructures. Et infrastructures physiques, ça, il faut qu'elles existent. Et soit pas les laboratoires informatiques qui permettent que plusieurs jeunes élèves accèdent à des contenus. À partir de roulement, il faut gagner énergie. Donc, il faut un minimum d'infrastructures. Donc, à partir de ça, et ou pas besoin, même pas quoi que je dis, nous cap dit, nous voulons tant qu'on l'autre pays, nous voulons tant qu'on, je ne sais pas, un pays qui peut avancer, mais c'est dit, ok, quelle politique qu'on veut développer. Très bien. Maintenant, garder indicateur, dit, je dis, on va développer politique ça avec tout acteur qui est dans le secteur pour assurer que y a une infrastructure, il y a un cadre légal pour la protection de la vie privée. Une politique éducative. Une politique éducative. Mais, moi, quoi que, c'est pas technique, j'aime dire, c'est pas technicien. Qui pour mener dans l'éducation. C'est d'abord au fait, ça ne relève au développement et d'abord en dans l'éducation pour dire mes technologies hein, pour venir transformer, mes technologies hein, pour venir améliorer. Mais ce n'est pas technicien, on dit bon, ok, je prends un ingénieur et puis on va le voir l'éducation nationale et puis le reste va venir. Non, c'est technologie pour l'éducation. Vous remarquez, son réforme en profondeur dans le système, non, on réforme justement pour aller dans développer une politique éducative qui intègre la technologie dans la formation de nous et nous cas et à la vue de l'être et plonger dans l'intégration technologique dans la formation haïtienne. Femme dit que technologie on pas juste venir pour implanter les gens et Altima Sodil. Parce que nous-mêmes nous pas dans ça dans culture. Donc, formation au présentiel, là, c'est l'île qu'on connaît. C'est-à-dire, un professeur campé, élève à suivre cours, etc. Maintenant, faut-il bien que nous fassions apprentissage pour nous commencer non seulement mes structures sous place, parce qu'il faut une communauté d'apprenants d'abord, c'est-à-dire, n'est-ce qui est capable, etc. Il faut une plateforme. Il faut une plateforme d'apprentissage. Donc, tout outil, ça, lorsque nous pouvons fusionner, c'est lui-même qui va le porter, ça, nous carrer les changements. Maintenant, on dit actuellement, l'école, bon, ça, l'école, yo, standard, yo, yo, très loin. Et mettez un espace numérique, un laboratoire numérique, côté que peut-être qu'on a des contrats avec des bibliothèques virtuelles à l'étranger, qui ont un ensemble de contenu pour côté étudiant ou bien élève, lui-même, il est capable de le consulter. Mais ou pas, même les ça, même les rares universités qui gagnent un noyau. Et puis, ouais, étudiants pas vraiment intéressés. Étudiants plus intéressés à Facebook, WhatsApp, etc. Mais là, tout, tu as supposé gagner, ça nous a dit l'éducation au numérique. Avant l'éducation numérique, là, les gens que nous-mêmes nous concevons. Attendez, pour me retirer mon trou, si je me dis comme ça, il faut me faire mon conscience que notre trou d'abord. Important l'éducation au numérique. Okay. Donc, que ce soit administrateur, que ce soit formateur, que ce soit apprenant, parce que trois acteurs sont très importants dans la chaîne. Donc, si vous avez une différence quelconque, peut marcher. Maintenant, est-ce que nous allons commencer à la formation des maîtres d'abord, et puis ensuite essayer de mixer la transmission du savoir au présentiel avec la transmission du savoir distanciel pour nous commencer. Maintenant, à partir de là, et puis par la suite, et on dit que dans 10-15 ans peut-être, les Sahara, c'est sûr qu'il y a bien des écoles, des espaces d'apprentissage totalement numérisés. Côté que étudiants qui viennent là sur site, ils apprennent sur plateforme quelconque, ils apprennent et qu'ils gagnent des tests d'évaluation, qu'ils tout joignent, certification, qu'ils tout joignent. D'un coup, ça affecte dans tout le pays. Mais implanter le pour nous, la vie avec d'un coup là, d'un coup, on boum,
Nous garantissons que c'est nouveau à l'échec. Ok, mais une étude qui fait en France en 2010 qui montre que 90% enseignants croient que ils ont gagné plus attention si nous sommes en salle de classe, ils ont utilisé ça dans le support numérique que le y a fait quoi avec papier. Donc, l'aide considérée que Boris, c'est papier seulement que nous faisons. En fait, c'est le contraire. Donc, à partir de là, la question. Est-ce que l'apprentissage vraiment, bon, ici, mais le permettre que le monde accumule sa reconnaissance utile dans l'idée pour transformer l'espace côté de la vie là? Écoutez, moi, je crois que l'éducation, bah, spécialiste en éducation, il faut le dire. Et moi, je crois que l'éducation, elle doit approprier par rapport à la communauté, à la réalité que le monde a vécu là. Parce que c'est pas. Là, je parle de. Qui éducation pour qui citoyen, donc là, à un certain niveau. Maintenant. Et qui engagement que l'État prend, j'aime ça t'expliquer tout à l'heure, c'est de concert avec les acteurs qui permettent que bon un développement soit. Évidemment, il y a des études qui montrent que un jeune, un élève, en fonction du niveau d'âge, il est plus facile pour lui pour l'apprendre à partir de un outil numérique que papier. Maintenant, il faut garder dans l'écosystème, dans la politique que nous avons développée. Et un élève, par exemple, qui sortit très loin, qui allait dans le lycée, qui gagne au laboratoire informatique. Il dit, ouais, ordinateur, une fois seulement par semaine, ou bien c'est en fonction du nombre d'heures de cours qu'il gagne, et pour la garder, pour l'apprendre. Parce que généralement, même s'il gagne de tableaux numériques, de contenu qui existait, maintenant, l'infrastructure n'est pas assez disponible, les outils n'ont pas disponibles pour permettre que. Plus ou encore tout le monde qui est dans l'école, là, tout élève, a accès à ces outils. Maintenant, lorsque politique, c'est pour ça que je parle de politique publique, là, parents a bien côté lui-même pour utiliser ces outils technologiques. Là. Parce que si l'élève, là, il arrive à la CAELI, il n'y a aucune possibilité pour parler, pour parler avec parents de sa rapport avec l'informatique ou bien pour le nos outils informatiques. Là, bon retard par rapport avec un autre élève qui peut être Pétionville, qui peut être Port-au-Prince, et qui a accès à ensemble des outils. Niveau de vie, pouvoir d'achat extrêmement important. Et c'est là l'important pour que la politique soit développée. Pour dire, réduction de l'écart, ça, c'est pas. C'est l'État qui développe cadre pour, nous avons dit, engager réduction du fossé. Et réduction fossé veut dire que, eh bien, ce n'est pas le petit monde qui a 15 ans, 16 ans, qui a un ordinateur pour la première fois. Mais qui genre l'État va faire pour que, dès son plus jeune âge, élève qui, quel que soit côté de l'école, là, ait accès à un ordinateur. Et professeur lui-même. Alors, il faut comprendre que, et moi, quoi, les outils technologiques permettent que l'interaction soit faite mieux avec les professeurs. Les professeurs ont moins d'efforts pour le faire que s'ils t'ont présenté en cours sur un support papier. Parce que je dis à un élève qui est dans la salle de classe, alors tout à l'heure on a parlé de formation des maîtres, un élève qui est dans la salle de classe, et en primaire, oui, le professeur est capable d'apprendre un petit monde en bonne bague, mais il y a des petits mondes, même si on dit en primaire, qui compte plus que les professeurs. Il pas, mais là, on va parler de curriculum, on va parler de curiosité que l'élève a gagné pour aller plus rapide que un professeur qui lui-même qui chita, apprendre ABCDA, qui ont une méthodologie qui est allée. Deuxième niveau, si on prend un niveau, par exemple, secondaire et universitaire, écoute, moi je crois que pour la plupart, les élèves dépassent les maîtres. Donc pour cela, il faut arriver à développer politique pour que élève avec maître là, ou bien maître là avec élève là, et bien, il y a un bon côté, il y a harmonisé le rapport. Et quand l'autre niveau tout, l'engagement des parents. L'engagement des parents, on dit qu'un parent capable d'accéder, par exemple, à partir d'une plateforme, à partir d'un site internet ou d'une application, qu'on l'école créée, et bien, l'IWE qui comportement. Donc, on ne peut pas dire que l'idée que parents sont formés au numérique. Évidemment, et bien, la formation au numérique. Est-ce que c'est le cas? Et c'est ça qui est important. Maintenant, bon principe en communication qui dit on va chercher cible à côté de lui, qui peut être parent, et bien on va chercher parent à côté de lui. Si parent dans l'administration publique, et bien il faut que l'administration publique développe de politique pour que parents, que ce soit les chauffeurs, que ce soit les messagers, et bien bon côté, les calpons pour informatique.
que l'État approprié un espace pour permettre que là pour quoi faire. Mais là, ça pose un problème encore. Moun qui veut être dans l'école, généralement, il a évolué dans nos monnaies formelles. C'est-à-dire, ça a eu comme travail, comme source de revenus, pas forcément en un cadre formel. Par exemple, le commerce, si on a regardé comme ça. Est-ce que moun qui dans le marché public en bas, par exemple, quand on a quoi pour ça là, nous avons une politique qu'on y a là pour une formation numérique là-bas ou en bas? Non, écoute, là, on va parler de transformation digitale. Ça veut dire que, il n'y a pas même besoin de parler, ou même besoin de formation capable de parler, mais je dis, écoute, au monde qui a utilisé WhatsApp, au monde qui a utilisé téléphone, c'est peut-être un autre monde qui a aidé l'avancée là-dedans. Donc, les outils là, le monde a approprié des outils, il y a bonnes bagailles que le monde connaît. Maintenant, là, on a parlé de une transformation digitale, côté que l'État a engagé avec les différents acteurs, les différents secteurs, pour dire que m'a permettre que m'a fait en sorte que dans 10 ans, et m'a sorti de monde qui analphabète dans niveau numérique, eh bien, vient une connaissance dans niveau numérique. C'est ça la transformation digitale. Maintenant, qu'on a qui j'en fais, et est-ce que ces outils vous mettez avant, m'a bon exemple. On dit que, regardez ça qui a passé jeudi à travers les ambassades, qui dit, quel que soit mon nom, dès que vous avez appliqué pour un visa ou pas l'online, eh bien, quel que soit côté mon nom, il compte ça qu'Internet. Et c'est ça, ce service qui a fait de plus en plus que nous comprenons la réalité. Ça vient créer notre petit job tout parce que les nègres là, qui sont spécialistes. Qui fait cybercafé. Alors, ça qui est important là, dans le moment ça, dans l'émission Marcus, pendant qu'on a parlé de politique publique là, on a l'impression que l'État lui-même, tout va m'approprier le numérique là. Par exemple, ça. Pour qui raison m'obliger et mal faire une expertise, par exemple, dans OAVCT, et m'obliger à faire une expertise en circulation, alors que c'est même l'État. Pour qui raison m'obliger à l'acheter un tête dans le DGI, m'obliger à le payer dans l'immigration pour me faire un passeport, alors que c'est même l'État. Donc, qui gens qui a une base de données nationale, côté, le moi comme citoyen, me paraît mon bureau l'État, quel que soit bureau l'État, me paraît là, pour ouais, c'est même citoyen devant eux, sans m'obliger à monter des sons à droite à gauche pour m'approuver dans chaque bureau. Passé que c'est moins Lionel Edouard qui paraît dans le ça. Lionel, qui t'aime dire que là où rentre un petit j'en fond, et dans le domaine informatique là, et là où rentre dans la gestion de base de données avec réseau, et pratiquement et chaque haïtien qui existe, il y a un NIF ou bien un SIN. Et moi, j'étais quoi que les nègres qui développent la base de données ça, et il y a assez matin dans le domaine pour comprendre que deux moun pa kaye même SIN, deux moun pa kaye même NIF. Donc avec NIF, si toute institution étatique est connectée normalement et que vous infrastructure réseau fonctionnel, donc Lionel me garantit que vous faites bagaille Delma 29, vous faites le DGI. Et ceci dit, avec NIF, ça c'est un coup dans notre pays et le numéro social. Donc si vous connectez circulation avec DGI et réseau marché, donc m'a pas besoin de faire photo dans finance, m'a pas besoin ça. Ou bien si passeport m'expire, m'a capable n'importe côté me faire demande là. OK. Donc l'essentiel c'est interconnecter toute boîte l'État et pourquoi pas avec institution privée. Donc à partir de là, n'importe service que besoin dans l'État, non seulement m'a besoin ni plus rapidement que possible. Et ceci dit, m'a fait tout ça besoin dans une seule institution. Parce que qu'on est moi-même c'est Romaclis. Il suffit que m'baille ni flan, je dis bon Romaclis ou doit telle dette ou doit telle dette, passeport périmé, etc. Donc a bon meilleur surveillance tout. Et l'État a pour courant de chaque citoyen haïtien qui est sur le territoire là. L'APKAWE qui l'a voyagé, qui l'a venu, qui soit impliqué, etc. Donc, technologie, ce n'est pas seulement comme si Kob la fourri dans poche moun, comme si Jean et Altemaso dit, ou qu'a toujours transformé technologie dans tête pour mettre Kob dans poche ou. Donc, faciliter la vie. Mais cependant, faciliter la vie. M'a pas obligé, surtout Kai pour me faire passeport, pour prince. Mais pour qui ça? M'a pas obligé, et moi, je viens dans l'immigration là, et puis je dis, mais écoutez, passeport. Puis, non! Donc tout, dans toute boîte l'État, son seul l'État, pas rien, deux, pas rien, trois, pas rien, quatre l'État haïtien. Alors, je m'en rappelle pas, ça empêche justement que l'interconnexion des entités étatiques, les rivons réalité, ça empêche que le citoyen, justement, non démarche, non demande de service, eh bien, il arrive à un service là, non boîte sans le obliger, jeune d'habitude à passer tout péripétie ça, parce que justement, il a l'impression que échange de données pas fait entre entités d'État. Bon, écoute, le maman, moi, des questions ça,
et tout le monde pas toujours d'accord ensemble avec moi. Non, non, je suis d'accord. Évidemment. Et vérité. Évidemment. Moi, je crois que ça a un coût. Et il faut comprendre que la technologie, ce n'est pas comme le vent. Ça veut dire que le vent, l'éventer, ou planter des bois, ou respirer, etc. Et ça a un coût. Et est-ce que le pays a capable de supporter le coût? Et maintenant, c'est comme Darab dit, est-ce que je vais investir dans la technologie pour augmenter l'asset fiscal? Ou est-ce que j'ai des moyens pour investir ça me doit investir pour gagner plus quoi? Et moi je crois que me parler de l'état là il faut que les institutions publiques d'abord chaque institution d'abord faut que gagne ça relé un système d'information. Ça veut dire que qui gens information organiser la caillou parce que on capable gagne une base de données et on dit par exemple bon là on a parlé de plusieurs institutions qui déjà gagne de base de données. Maintenant ce qui arrive par rapport à ça me connaît c'est que il y a une institution qui développait deux systèmes à partir de un environnement spécifique. Maintenant on l'autre institution qui développe un autre système sur l'autre plateforme. Et on est capable de gagner par exemple une institution qui développait un système à partir d'une base de données X et on l'autre qui gagne on l'autre base de données Y. Bon, ça me va rentrer dans les questions techniques. Maintenant qu'on y a la première chose, et tout à l'heure, on a parlé de politique publique, qui est extrêmement important, c'est que faut sentir que l'État a voulu faire. Dans le sens que, lorsqu'il y a une institution publique, il faut sentir que l'infrastructure est là. Et il faut sentir que. On a envie d'offrir service à la population. Les procédures sont là, parce que là, on ne va pas parler de mettre l'infrastructure sur les procédures. Les gens sont formés. L'homme dit les gens sont formés, ça veut dire que. L'institution publique que nous voulons offrir service, il faut qu'il y ait un cadre qui est capable, si vous voulez, répondre à besoin de ça. Là, on va parler d'un niveau utilisateur, que ce soit les gens capables de gérer le réseau, les gens capables de gérer les questions de sécurité, etc., les gens capables de faire le développement. Donc, il faut que vous ayez ça. Et vous coûtez tout. Et maintenant, le pouvoir d'achat de la population est très faible. Et c'est extrêmement difficile pour moi-même parce que il faut que nous arrivions à développer une stratégie qui permette que de plus en plus nous améliorer la qualité de service là et qui permette que transformation en fait. Parce que je vous dis là, écoutez, Haïti, je ne crois pas que si nous prenons ça nous connaît le pays à gagner comme capacité, ressources. Comme ressources, nous dit bon, pour nous faire infrastructure. À technologie, que ce soit fait câblage, que ce soit d'abord construire les bâtiments. Et on dit par exemple, si je ne suis pas exagéré, on a 200 millions de dollars. Haïti n'a pas 200 millions de dollars pour investir dans du bail comme ça. Et bien entendu, c'est pas important. Et en plus, tout le monde ne croit que c'est parce que l'État n'a pas senti qu'il y a importance. Mais oui. Maintenant, il y a deux institutions qui ont amélioré de je pourrais dire, de 90 à nos jours. Et je dis, on dit qu'on a fait du progrès. On a fait du progrès. Évidemment. Mais moi, je crois que il y a plus d'exigence, je dis, pour que. Puisque les citoyens sont connectés, eh bien l'État doit prendre plus d'engagement pour offrir service à monde qui est connecté. Mais en même temps, tout développer de politiques pour que monde qui n'est pas connecté soit connecté. Ouais, c'est pas investir seulement dans l'infrastructure, investir dans le système, et puis qu'on a pour un petit groupe de monde. Maintenant, faut l'État assurer que le service que la profiant, eh bien, monde qui et loin d'un pays capable de gagner accès avec tout. Ce n'est pas pour dire bon, je gagne ça, et bien gagner 50 000 personnes qui ont gagné accès avec. Mais écoutez, la politique doit développer pour que plus de monde de plus en plus gagne accès avec. Et c'est pour ça je crois que ça ne va pas se faire de manière spontanée. Évidemment, l'État est très intéressant pour que la douane interconnectée avec DGI, DGI interconnectée avec d'autres institutions, qui est extrêmement important, qui est utile et qui est nécessaire. Mais en même temps, tout, et je crois que les grands défis sont là. Défis pour dire, OK, on va investir dans quoi? Est-ce qu'on dispose de, est-ce qu'on dispose de l'argent, de moyens pour nous faire? Est-ce que cadres qui ont l'administration publique assez formés? Parce qu'il faut les former aussi. Et former, dans le sens que, au moins, on a un réseau, on a un équipement qui est installé.
Maintenant, qui est-ce qui va gérer le réseau? Donc, est-ce qu'on va faire venir des ingénieurs, experts, etc., des experts? Donc, moi, je pense que faut que nous gardions tout écosystème, on dit l'administration publique, et pour un meilleur service aux citoyens. Maintenant, qu'on est à partir de ça, il faut faire un inventaire pour dire, OK, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on n'a pas, et qu'est-ce qu'on a comme vision, et à partir de ça, développer une politique pour nous dire quels sont les moyens que nous pourrons mettre en place, nous pourrons mettre pour que nous arrivions à résoudre l'ensemble des problèmes. Donc, le développement des de nouvelles technologies, de l'information, de la communication, tu as une de préoccupation, eh bien, autorité qui lance réforme administration publique à tout. Parce que quelque part, une administration qui n'est pas connectée, c'est pour une administration qui peut être efficace, vrai, dans le service à la population. Oui, effectivement. Effectivement, et je me dis tout à l'heure, faut-il bien qu'ils soient interconnectés. Donc, je ne sais pas si peut-être nous avons assez de moyens, bon, l'État a assez de moyens, mais nous avons commencé à interconnecter au deux par deux, etc. Donc, ça qui va nos visions. Oui, plus ou moins ça qui va être service connexion. Bien, en interconnecté à moyen que nous gagnons, et puis nous avons un plan qui est échelonné sur nombre d'années, et puis nous avons qui l'autre institution étatique que nous avons interconnecté de temps en temps, et puis pour nos nombre de temps, et puis tout vient finir par interconnecter. De toute manière, il faut que nous commencions quelque part. C'est ça. Pendant que je dis ça, et Gomba qui vient dans l'esprit, c'est que on dispose d'infrastructures. Nous avons des opérateurs qui sont engagés. Mm-hmm. Et bon, là, on ne va pas parler de qualité de service, c'est sûr qu'il faut plus placer pour faire les. Mais et, on a parlé d'éducation, on a parlé de transformation digitale. Et il faut que tout le monde soit impliqué. Dans le sens que, je veux dire, qui. Éducation que la population connaît, gagne, par exemple, sur la protection des infrastructures. Parce que, écoutez, le monde, quand le câble qui passe pour la caillou, on coupe le câble là. Donc, là, ça, il faut connaître que c'est le courroie de transmission de signaux qui permet que au fait au monde qui est à gauche, pas qu'à communiquer avec le monde mais qui est à droite. Est-ce que là, tout prestataire du service, il y a même qui a fait couronne dans le pays, dans la technologie, service technologique, est-ce que pas un rôle pour jouer tout, non seulement en matière d'éducation au numérique, j'aime d'abord dit à l'heure, tout, mais non sensibilisation de la population sur nécessité pour le travail, pour l'aider, comme c'est une adoula, et technologie à développer vraiment. C'est de penser avec l'État. Nous avons une autre approche par rapport à la technologie, pour regarder l'autre gens, pour comme ça, nous avons un ingrédient qui permet que le développement arrive plus loin. Vous avez l'impression que ça fait, je veux dire. Vous avez l'Union internationale des télécommunications, alors, faut me dire, et que le secteur télécommunication qui, je dis, est arrivé en convergence avec l'informatique, qui vient de la technologie, et le service universel. Le service universel. Ça veut dire que, et quand ça a toujours existé, maintenant, c'est qui genre l'État joue au rôle pour que les combler les corps là. Ouais. Et par exemple, un opérateur qui est capable de dire, même problème, ça, pas gagner en République dominicaine, pas gagner en Colombie, pas gagner dans l'autre pays. Parce que, niveau éducation, on nous fait, ou bien l'État est respecté, les investissements sont protégés. Maintenant, Jean Audi, hein, c'est ensemble pour nous faire. Ce n'est pas l'État seulement qui a fait, c'est aussi la société civile. Et la société civile, c'est aussi le secteur privé qui doit engager. C'est pour ça que doit gagner de activité de vulgarisation qui pour faire. Vous voyez, ça, il faut que le secteur privé a les impliqué et participer à l'éducation pour nous sur ça. Haïti 360 n'a pas de technologie, parole intéressante, parole en pile, il faut d'abord toutes les émissions net pour nous parler, il faut l'autre émission même pour nous parler de technologie. Parce que la technologie, elle n'a pas l'autre objectif qui est de vivre là, vous piller dans la société. Et c'est une raison qui fait développement de la technologie, et bien justement, lui connecte à développement et bien global société. Nous allons prendre une dernière pause en émission pour la Haïti 360. Nous allons retourner pour nous parler du dernier élément. Et dans quelques minutes, réseaux sociaux, parce que nous connaissons, ou même qui l'a carré dans ça, ou t'as aimé qu'on est, mais qui type de comportement, ou moun qui a utilisé les réseaux sociaux, t'as de gagner, parce que pratiquement en Haïti, il n'y a pas de technologie, moun yo presque résumé li, dans la grande majorité, et bien à utilisation de réseaux sociaux. N'a pas de parler de ça tout de suite après vous.
Haïti 360, n'a parlé technologie avec Jean-Marie Aldema, avec tout Romain Clis qui est avec nous sur panel là, qui a brassé l'idée autour de ce que tu as fait pour permettre que bon développement de Sandari, secteur technologique là en notre pays, qui a tout et aider dans le développement pays d'une manière générale pour permettre que les gens vivent plus bien dans la société. Ça. Parce que je vous dis, nous-mêmes, nous ne pouvons pas vivre dans notre si, c'est-à-dire nous en retrait isolé par rapport à ce qui est fait dans le reste du monde, dans son monde qui est interconnecté. Donc Haïti lui-même n'est pas capable, je dis, arrêter dans ce coin de parler pour dire que eh bien, le développement des nouvelles technologies n'est pas intéressé. Donc il faut que nous allions vers voir ça, mais il faut que nous allions tout avec ça, nous gagnons en nous comme nous avec ça, nous gagnons en nous comme moyen pour nous permettre que tout le monde monte bateau pour technologie à tout les n'a développé dans le pays là il va venir créer plus de couche sociale dans le pays qui est déjà très large déjà et que tout le monde a demandé pour ta combler pour pas ouvrir une nouvelle fosse plus large. Réseaux sociaux Maclis c'est pratiquement yon nous ka di yon ben pou moun parce que permettre que famille reconnecté yon les gagne à la chose les iwa et ben la chat tout 11h minuit avec parents les li konn ki eta ou ki jan famille en levé sa famille en fait pendant journée an mais tout réseaux sociaux tout et ben c'est ça nous d'arriver yon calamité pour une série de moun parce que utilisation fait de l'IA fait de réseaux sociaux pas forcément une utilisation qui permet non seulement image pays a grandi mais qui pour protéger citoyen tout par rapport avec et ça ka dit ça particulier comme information sur vous. Et faut dire que Lionel et lorsqu'on on réseau social par exemple, on va aller rapide puisque nous pas un trop de temps et tant que WhatsApp et grand pile utilisateur WhatsApp qui pratiquement utilise la bonne escient. Faut me dire ça. Mais et tant que j'en suis dit là, il y a une catégorie d'utilisateurs qui utilisent certaines fois pour tenir image ou l'autre monde, certaines fois et qui utilisent le tout et pour faire peur, pour faire menace, et certaines fois tout qui balle en importance et j'aime t'ab garder on le et on accident fait et puis on a plus intéressé à faire photo moun ki mouri yo pour poster yo au lieu que le ambulance. Donc, nous avons un élément de show off pour montrer que l'âme connectée. Oui, effectivement. Et je pense que les réseaux sociaux ont un bon côté. Ils ont un bon côté parce que aucun de nous connecter, que ce soit avec famille nous, que ce soit avec amis nous, même si ils sont très loin de nous. Et ceci dit, à très faible coût, c'est très important, rapidement, synchrone, à faible coût. Mais de l'autre côté, les réseaux sociaux détruisent les gens. Ils détruisent les gens. OK qui monte sur les réseaux sociaux par exemple qui jeune des messages d'offre et puis calé qui victime réseaux sociaux permettent que et, bon même monde divorcé peut-être pas capable d'accord avec mais les réseaux sociaux permettent que monde divorcé les deux et même parce que c'est opérateur d'abord opérateur de service et l'État et consommateur. C'est-à-dire, pas grand-chose qui a changé sans toi, opérateur, ça ne va pas mettre tête ensemble. Comme si qui service n'a pas comme si qui soit qu'a dit son réseau. Maintenant, est-ce qu'en termes de sécurité, on pays, monsieur, en termes de sécurité, on pays, qui ça cap traverser, qui flux d'informations traverser son réseau social. Maintenant, qui souce-le? Qui souce-le? Comment on est capable de détecter un message qui fait peur à la nation? Parce qu'on a un message qui a fait peur à la nation, on a un message. Et ceci dit, et même lorsque c'est propagande, mais Haïti, tout le monde connaît qu'il n'y a jamais de fumée sans feu quand même. Donc, moi, je pense que là encore, ma priorité, l'éducation, il faut le faire. Faut faire éducation, monde qui a utilisé là. Parce que c'est comme si les réseaux sociaux a valé nous, au lieu que c'est nous contrôler, c'est eux contrôler nous. Donc, faut-il bien que dès tout le monde rentre à l'école, bas âge, ils expliquent le bien fondé, ils expliquent qui soit qu'à faire outil ça, ou qu'à construire, ou qu'à détruire avec. Mais qui message pour pas poster, mais qui soit qu'à faire, etc. Par exemple, vous êtes obligé de prendre un message privé au monde, ou vous sur Facebook. Même toujours dire, vous pas obligé de pirater le téléphone au monde. Ok, moi et ma pour dire mille et mille fois, on cinq messages qui a fait des torts qui ont fait vite on va carré Paris. On cinq messages. Alors parce que mon message fondamental, je vous dis, j'ai marié Aldema, c'est que tout le monde croit que faut qu'on abat l'information sur les réseaux sociaux. Tout le monde est un journaliste. Les réseaux sociaux là, il là pour faciliter ça, d'avoir une meilleure participation citoyenne. Il là tout le cas aidé. Par exemple, nous connaissons des nègres à l'université, qui ont des groupes là, côté y a réfléchi, et des nègres à discuter avec nègres qui permettent que nous construisons de meilleurs citoyens. Mais les réseaux sociaux, ils créent un pile dommage tout en la société. Bon,
écoutez, je crois que son constat, il crée un pile problème, mais en même temps, tout, les réseaux sociaux, c'est un gros outil. C'est un gros outil de mobilisation, c'est un gros outil qui permet que socialement, nous connecter. Je dis à travers les réseaux sociaux, on ne sait pas qu'on est qui en haut, on est qui en bas, c'est que tout le monde est connecté. Maintenant, et moi-même, toujours pour une utilisation responsable des réseaux sociaux, dans le sens que, écoutez, moi-même, pas besoin qu'on soit mon aposté sur les réseaux sociaux, dans la mesure où, on assure que, si on mettait aujourd'hui, demain, on va mettre, et après demain, on va mettre. Donc, ça veut dire que si on dit tête ou, et dans toute dimension, ou même, si on mette, on mette. Maintenant, assure-toi que y a des conséquences. Parce que l'on pose ton message, on dit un message qui a détruit le monde, eh bien, il faut reconnaître que demain matin, le message, ça va virer contre vous. Dans le sens que, au monde qui a un profil, il met ton photo, demain matin, on va l'occuper en fonction, ou bien, on postule pour un job, eh bien, l'on regarde contre les réseaux sociaux, il y a que vous gagnez des comportements qui ne répondent pas à. Déviant. Déviant. Donc, ça veut dire, c'est ça pour l'utilisation responsable. Un jeune, par exemple, qui postait une photo, eh bien, la première question à se poser, pour le dire tête libre, bon, si par un mouel, qui ça a dit, bon, si vous passez check ça, ou dit, bon, je m'en fous, ok, vous passez. Ou dit, qui sa femme a dit si ou elle. Il faut faire des checks. Et ce n'est pas éducation pour faire. À partir de ça qu'on a, l'homme on a fini de dire, eh bien, moi d'accord avec ça, moi poster. Parce que vous n'avez pas qu'à poster sans pas réfléchir. Parce que demain, message ou vous mettez là, ou pas mettre lui encore. Ou pas responsable parce que lui visible par une quantité de monde et monde qui est en Haïti et monde qui vivent à l'étranger. Maintenant, est-ce que c'est ça vous voulez pour que ça vous mettez là demain matin ou pas backup lui parce que vous dites bon, je ne suis pas mature de mettre là. Maintenant, chaque fois qu'on parle sur les réseaux sociaux, chaque fois qu'on parle poster, chaque fois qu'on parle like, parce que, on m'a écrit l'identité numérique. Il y a deux aspects capables de donner. L'identité numérique, c'est dit bon, ok, l'État a dit à quel âge que un monde est capable d'avoir un compte Facebook ou bien un compte Twitter, parce que ça c'est extrêmement important. Il y a deux pays qui fixent la 15 ans, il y a deux pays qui fixent la 16 ans, c'est extrêmement important. Et là, vous tournez avec cadre légal, vous avez parlé de cadre légal qui est extrêmement important. Qui le parlement a un rôle pour jouer là. C'est ça, l'identité et numérique. Qui leur monde capable de gagner ou capable d'identifier au numérique. Ça veut dire gagner accès pour créer un compte les personnels. Ça ne veut dire pas là. On dit que bon information au monde d'un côté que cadre légal ça existait. On dit que Facebook violer droit Mounza qui gagne 13 ans parce que Facebook t'a accepté à 13 ans de ouvrir un compte, eh bien, le ça, c'est pas Timoun 13 ans qui va poursuivre Facebook en justice, c'est pas rien parce que il a fixé l'âge de l'identité et numérique à un certain âge. Donc, bah, ça a l'idée que Timoun n'a pas essayé de tromper vigilance par Facebook ou par rien. La deuxième chose, il faut créer un profil. Ça veut dire que moi, je crée un compte. Maintenant, qui ça va mettre là-dedans pour m'alimenter? Est-ce que ça va mettre pour m'alimenter à répondre à, et je t'ai dit, image? Parce que ça, pour nous comprendre, c'est que la vie virtuelle, ils sont prolongement de la vie réelle. Très bien, très bien. Ça veut dire que ce n'est pas un monde qui a écrit, il monte sur Internet, il monte sur Facebook, il poste n'importe quoi. C'est parce que dans la vie réelle, il fait. Il y a une façon de fonctionner. Il y a une façon de fonctionner et il utilise les outils virtuels comme un moyen pour permettre que l'atteinte puisse monter. Très bien. Moi-même, je crois que le mieux que nous faisons éducation. L'un dit nous, ça veut dire tout le monde qui est concerné. Pour le monde qui compte plus, partager à le monde qui compte moins. Et pour la première fois, je ne suis pas d'accord avec l'émission, c'est que le secteur privé, on dit opérateur. Opérateur, ils suivent un cadre légal. Maintenant, c'est l'État qui l'a pour protéger les intérêts de la société, de concert avec l'autre acteur qui dit, écoutez, je veux que ça se fasse de telle façon, il me parlait. Et cadre là pas immuable, ça veut dire cadre là qui a toujours adapté. Il faut l'adapter à développement, à développement sociétal. Et c'est pour ça que yon texte li doué créer, li doué modifier pour l'adapter à la réalité et li doué réadapter encore. Plusieurs modifications. Parce que je veux dire, par exemple, et qui j'en moun ka défini vie privée.
peut-être sous tes sous code pénal. Il y a 20 ans, vous vivez à faire une bagarre. Définir le genre. Vous voyez. Donc ça veut dire que c'est dans la dynamique ça. Un aspect que nous pas ou aborder et la question cadre légal. Moi je crois que ça qu'a fait aujourd'hui là, tout le monde concerné. Moi ouais parlementaire qui a subi deux attaques. Oui, mais ouais, de monde de l'exécutif qui a subi des attaques, mais ouais, de monde de la société. Directeur général. Tout secteur. Maintenant, il faut un cadre légal. Il faut que nous développions des politiques, venir avec des textes sur la protection de la vie privée. Très bien. Accès à l'information. Un ensemble de textes qui est important aujourd'hui. Parce que l'autre monde, ou bien un monde quelconque, subit une attaque, la suite c'est quoi? C'est question ça. On a détruit le monde. On a détruit l'image. On a même gratifié. Parce qu'il s'est gagné. Comme recours. Et il y a des gens qui. Écoutez, moi-même, je dis. Qui perdit le job, en fait. Non, je dis ça comme ça. Moi, je crois que. Là, c'est un appel que je lance au ministère à la condition féminine. Et parce que. Comme mesdames, très exploitées sur les réseaux sociaux. Il faut que je travaille avec d'autres secteurs pour que. Je ne pas dire c'est pour mesdames seulement, mais pour que. Vraiment une protection qui fait parce que leur société a développé et a développé avec deux monde qui subit des attaques qui était plus positif qui pas cap productif ou bien qui réduit c'est un tort qu'on fait à la société. Alors, le problème c'est l'engagement collectif, c'est tout à fait la question de politique publique de la barrière là, politique éducationnelle qui a dans l'idée d'aller l'éducation au numérique et mais qui va permettre que justement bon usage beaucoup plus responsable qui fait des réseaux sociaux. Jean de Djouli, nous avons parlé de technologie dans l'émission pour là, qui arrive dans bout de lit. Malheureusement, nous avons la carte en invitant des causes toujours. Mais nous avons bien pour nous faire ça dans la prochaine édition. En attendant, nous avons pris un congé de vous. Nous avons dit à l'émission de Marie. Merci. Alors, si vous permettez, moi, je dis publiquement que moi, développe un blog à LTEMA, jeanmariejanmarie.com. Côté que j'ai des réflexions que je partage et sous blog ça, sous question technologie, sous développement technologie, obstacles et qui j'ai capable de comprendre. Vous avez développé ou pas? Bon, non. Pas pour le moment. Non, pas pour le moment. Mais nous, on va mettre un centre de formation sous pied pour permettre de comprendre et bien faire l'utilisation de outils. Alors, si vous avez besoin de libérer, c'est plutôt qu'aller sur le lever de la photographie sociale. Oh, compliment. Vous des bagages valables pour aller ou vous voulez continuer, et bien, consultez tout de manière la plus positive que possible. Nous cassons rendez-vous pour notre édition Haïti 360 côté promotion, parole éclairée, Fab Jean Campé. Bye bye tout le monde. Merci.